bonjour tout le monde. Je vais vous parler de l'épisode numéro 17 de Goldrake. Il s'appelle La Chevauchée Infernale. Aujourd'hui, Goldrake dans La Chevauchée Infernale. Donc l'histoire de cet épisode est très simple. En fait, c'est... on voit Actarus qui fricote avec Vénusia. Vénusia qui lui demande d'aller se promener avec elle, d'attendre de faire son travail au lendemain pour aller promener les chevaux avec elle, etc. En romantique, etc. Ensuite, Actarus dit oui. Maintenant, je te souhaite bon appétit. Pourquoi pas, mais plus tard, on voit que la lune devient rouge, donc alerte que les forces de Vega vont attaquer, donc il a un mauvais pressentiment. Je trouve que c'est plutôt un mauvais présage. Et puis pendant ce temps-là, il y a Mizar qui écoute et qui surprend Vénusia et Actarus en train de dragouiller. Oh le coquin, faut que j'aille raconter ça à papa. Donc il va prévenir son père. Alors son père n'est pas du tout d'accord, mais enfin peu importe. Actarus voyant que la lune devient rouge, donc dit à Vénusia finalement écoute, non, j'ai d'autres préoccupations, je peux pas t'expliquer, enfin bon voilà. Donc. Pas du tout, tu le sais, je serais ravi de sortir avec toi. Il n'en est pas question. Jamais je n'autoriserai Vénusia à sortir seule avec Actarus, jamais. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de l'épisode numéro 17 de Goldrake. Il s'appelle La Chevauchée Infernale. Donc l'histoire de cet épisode est très simple, en fait c'est... on voit Actarus qui fricote avec Vénusia. Vénusia qui lui demande d'aller se promener avec elle, d'attendre de faire son travail au lendemain pour aller promener les chevaux avec elle, etc. En romantique, etc. Ensuite, Actarus dit oui, pourquoi pas. Mais plus tard, on voit que la lune devient rouge, donc alerte que les forces de Vega vont attaquer, donc il a un mauvais pressentiment. Et puis pendant ce temps-là, il y a Mizar qui écoute et qui surprend Vénusia et Actarus en train de dragouiller. Donc il va prévenir son père, alors son père n'est pas du tout d'accord, mais enfin peu importe. Actarus voyant que la lune devient rouge, donc dit à Vénusia finalement écoute, non, j'ai d'autres préoccupations, je peux pas t'expliquer, enfin bon voilà. Donc Vénusia rentre dans la cuisine du ranch du boulot blanc, avec une drôle de tête, et puis donc là son papa réalise que en fait Actarus a dit non pour la balade. Bon, et finalement il était prêt à dire oui, enfin bon bref, c'était un peu bizarre. Et puis donc du coup Riel oblige Actarus le lendemain à aller promener les chevaux avec Vénusia, etc., etc. Donc voilà, l'affaire est faite. Et pendant ce temps-là, il y a Vega qui envoie son Golgoth numéro 17. Général Hidarkos, les satellites météo annoncent une terrible tempête de neige pour le jour où nous devons lancer Golgoth 17 sur le point 300. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de l'épisode numéro 17 de Goldrake. Il s'appelle La Chevauchée Infernale. Donc l'histoire de cet épisode est très simple, en fait c'est... on voit Actarus qui fricote avec Vénusia. Vénusia qui lui demande d'aller se promener avec elle, d'attendre de faire son travail au lendemain pour aller promener les chevaux avec elle, etc. En romantique, etc. Ensuite Actarus dit oui, pourquoi pas. Mais plus tard on voit que la lune devient rouge, donc alerte que les forces de Vega vont attaquer, donc il a un mauvais pressentiment. Et puis pendant ce temps-là, il y a Mizar qui écoute et qui surprend Vénusia et Actarus en train de dragouiller. Donc il va prévenir son père, alors son père n'est pas du tout d'accord, mais enfin peu importe. Actarus voyant que la lune devient rouge, donc dit à Vénusia finalement écoute, non, j'ai d'autres préoccupations, je peux pas t'expliquer, enfin bon voilà. Donc Vénusia rentre dans la cuisine du ranch du boulot blanc. Avec une drôle de tête, et puis donc là son papa réalise que en fait Actarus a dit non pour la balade. Bon, et finalement il était prêt à dire oui, enfin bon bref, c'était un peu bizarre. Et puis donc du coup Riel oblige Actarus le lendemain à aller promener les chevaux avec Vénusia, etc., etc. Donc voilà, l'affaire est faite, et pendant ce temps-là il y a Vega qui envoie son Golgoth numéro 17. Faire une base dans la vallée du Range du Boulot Blanc, détruire la montagne pour l'ensevelir et construire une base que personne ne pourra voir. Nous allons éventrer les montagnes et enterrer la vallée. Au cours de cette rehausse artificielle, nous construirons une base qu'aucun aéronef ne pourra découvrir. Le lendemain arrive, ils vont promener les chevaux,
Donc il y aura Alcor, il y aura Bizarre, il y aura Venezia bien sûr, il y aura Actarus. Et malheureusement il neige, donc le professeur Potion espère qu'ils ne vont pas sortir. Mais si, ils sortent quand même. Rigal a obligé Actarus à sortir les chevaux. Donc ils partent. Ils partent en balade avec les chevaux pour les débourrer, les faire courir, leur faire du bien. Et puis la neige tombe, le Bizarre arrive, il va de moins en moins. En temps de rentrer, ils sont les bêtes. Et c'est là qu'ils aperçoivent le Golgoth 17. Donc ils font demi-tour pour rentrer en Orange, mais bon, ils ne voient pas grand-chose. Donc ils accompagnent les chevaux. Et il y a le petit, il y a un bébé qui... Enfin, je me souviens plus comment il s'appelle. Enfin, il y a le petit bébé, le petit poulain qui se sauve, qui va pas avec tout le monde. Et donc Bizarre part à sa recherche. Et puis Miguel arrive parce qu'il voit que le temps est pourri, etc. Et il remarque que Bizarre n'est pas là, que le cheval n'est pas là. Donc on part chercher le cheval. Alcor prend son ovétaire. Et contre l'avis, contre son propre avis, décide d'aller chercher le cheval et Bizarre. Et Alcor prend la relève pour combattre le Golgoth numéro 17. Et donc on voit Goldorak qui essaie d'empêcher l'arrivée de ce Golgoth qui creuse dans la montagne, donc il se met contre la montagne comme ça pour tenir. Alors voilà, en attendant le Golgoth lui il creuse la montagne quand même, une montagne c'est quand même dur, c'est costaud. Mais Goldorak non, Goldorak est très fort, il n'a pas peur, il se met comme ça pour empêcher le Golgoth de passer. Bref. Le Golgoth réussit à passer, les habitants se sauvent, il y a combat. Goldorak, ordonnez à Golgoth 17 de raser la ville. On voit aussi Alcor qui envoie des missiles sur le Golgoth, en attendant que Actarus arrive. Et donc Actarus prend la relève, forcément. Donc, comme je vous disais, Alcor va chercher le cheval dans la montagne, il est bizarre. Et puis Goldorak combat le Golgoth, il envoie des armes, des cornes aux fulgures, des astéroïdes, enfin bref, des fulgures au point. Et il finit par vaincre. Voilà, comme toujours, Goldorak est le plus fort, le meilleur. Il est plus dur que la montagne. Goldorak, c'est lui, Goldorak le fort. Donc voilà, un super épisode, avec un combat qui se durera assez longtemps. Et donc finalement, tout va bien, les chevaux rentrent au rang du boulot blanc. C'est un corps, ça c'est un homme. Il y a beaucoup de jets de soleil sur la fin, c'est merveilleux, tout va bien. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà l'épisode numéro 17 de Goldorak, la chevauchée infernale. Et bientôt la suite, le numéro 18. Salut, salut, et n'oubliez pas, profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut, salut, salut.